Il y a quelques éléments de signaux d'alerte qui doivent être mentionnés. Le premier, c'est que les données qui viennent d'être publiées en Israël, comme vous savez, Israël a été extrêmement actif dans le développement de la vaccination, et donc ils ont montré que chez les sujets âgés de plus de 60 ans, ce qui est relativement pertinent par rapport aux personnes dont on parle, dont on souhaite assurer au plus vite la vaccination en France, la protection contre la maladie, contre la survenue d'un Covid, dans la période qui est comprise entre l'administration de la première dose et de la seconde dose, donc celle qui serait allongée en cas d'espacement, n'est que de 33%. Ce qui est une déception, d'une certaine façon, parce que dans les essais cliniques Pfizer, Moderna, c'était de l'ordre de 50%. Cela suggère, ce sont des données préliminaires, donc il faut être prudent, mais cela suggère que la protection pourrait donc être moins efficace chez les sujets plus âgés, et donc peut-être une petite mise en garde à l'égard d'espacement de doses.